Il reste 9 points à prendre cette saison et Bordeaux est condamné à l'exploit pour renverser une situation bien compromise. Le premier rendez-vous est fixé à Lens et c'est Ivan dès la 5e minute qui redonne espoir à tous les Girondins. La joie, aussi intense fut-elle, sera de courte durée car 5 minutes plus tard, les Lensois égalisent grâce à Daniel Moreira. Il y avait peut-être un petit flottement défensif côté bordelais, mais plus sûrement une position de hors-jeu du buteur nordiste. Elibop sent que ses hommes ont pris un coup au moral. Confirmation à 10 minutes de la mi-temps avec ce centre de Smisser et cette tête de Niarco. Lens prend l'avantage pour la première fois dans cette rencontre. Mais les Bordelais sont loin de lâcher prise. Corner dans les arrêts de jeu. Ivan récupère et frappe. Guillaume Varmuz laisse filer ce ballon. De partout, incroyable scénario qui permet aux Girondins de rester dans la course au titre. Nous sommes maintenant en deuxième mi-temps. Il reste 8 minutes à jouer. Elibop veut un pressing de tous les instants. Les Lensois n'ont plus de solution dans la relance. Cette balle est récupérée par Wiltord qui décide d'y aller seul. La suite est un chef-d'œuvre de volonté et de précision. Frappe énorme qui vient se loger sous la barre de Varmuz. 3 buts à 2. A tous ceux qui doutaient de son envie de se battre en cette fin de saison, Sylvain Wiltord apporte une preuve cinglante. Comme tous les autres, le meilleur buteur du championnat souhaite décrocher le titre de champion. Comme tous les autres, il ne rêve que de victoire. Et pendant que Marseille est en train de sombrer au Parc des Princes, Bordeaux met un point d'honneur à finir cette rencontre avec Panache. Kiki Moussampa lance Mikou en profondeur. Lachor, seul défenseur, n'est pas un rempart suffisant pour empêcher Johan Mikou d'effacer les sifflets de la semaine précédente en inscrivant le 4e but bordelais. Elibop et tout le staff girondin peuvent chavirer de bonheur. À Bollard, Bordeaux a réussi un coup double, reprendre la tête du classement et asséner en plus un énorme coup au moral à son adversaire direct, tant la manière était digne de celle d'un champion. Oh!